Ambassade Haïti, yon émission qui connecte Haïtien positif yo ak tout Haïtien à la ronde badè. Ou même qui nan diaspora ka fè un bon travail, ka inspire l'autre Haïtien, eh bien, continue. Parce que Ambassade Haïti a privé sou. Pas oublier, ou même qui s'entrepreneur, professeur, athlète, étudiant, boursier, nous voulons connaître l'histoire parce que l'expérience ou ka inspire l'autre Haïtien. En mette main, on a cherché ressources que Haïti gagne de yo et qui ka fè valè Haïti. International là. Ambassade Haïti passe chaque jeudi soir 6 p.m. dans l'air Haïti. Live sur Facebook. Sur Kove TV, c'est une télévision digitale qui vient faire un lot de bagaille. En avant Haïti, Haïti gagne 3 mounes pour la souffrir. Eh bien, on a la prendre de vous. C'est une façon pour nous aider la caille, tout autant nous pourquoi tourner la caille. La caille, c'est la caille, c'est là n'a pas tourné. Ambassade Haïti, c'est une émission pour toute une nation. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout internaute New York. Et nous bien contents pour avec aujourd'hui dans hein, l'autre édition et émission Ambassadeur Haïti. Non pas moi c'est Aubert Duclès, étudiant en finissant en génie chimie. N'a vous bienvenue sur page web Kove TV. Encore une fois, je connais là émission Ambassadeur Haïti, c'est une émission qui gagne comme objectif et rassembler tout professionnel, étudiant haïtien qui est à l'étranger, mener une plateforme pour vous, pour vous venir capable partager expérience avec vous. Comme ça, vous même qui jeune haïtien, comme ça, vous même qui voulez avancer, vous capable apprendre de succès. Parce que nous avons un pile monde, Jean-Éclair dit, pour Haïti à souffrir. Grand pile professionnel qui dehors, grand pile étudiant qui dehors, vous avez retourné la caille. Il y a un pile monde encore qui gagne en pile leur position privilégiée dans l'autre pays, en pile haïtien qui a fait en pile bagaille positif dans l'autre pays. Eh bien, ambassade Haïti voulait porter au bout pour capable connaître dans qui domaine a évolué et connaître qui ça y a fait. Encore une fois Nandou, bienvenue sur page web Kove TV, bienvenue dans émission ambassade Haïti. Avant tout bagaille n'a mando ou même qui en bas live là, pas oublier, partager live là. Parce que émission ça, besoin de plus côté. Plus monde besoin d'entendre, en plus jeune besoin d'entendre, comme ça, chaque monde qui tende émission ça, qui well, est capable d'inspirer à partir de l'invité nous. Émission ça passe chaque jeudi à 7h dans le pays Brésil et 5h, mon coin de la change Haïti, qu'on est à 5h après-midi dans le pays Haïti. Bon, je nous connais déjà, je dis, nous gagnons avec nous dans l'émission ambassadeur. Il y a un poteau femme, qui est conséquent, qui a un pile potentiel, ou même qui c'est un fanatique farouche, émission et j'aime Haïti, ou même qui est un fanatique farouche, web, page Kove TV, au compte de qui on a parlé parce que Lina Flaez là, et un pile monde toujours aimer, dans l'émission. Je tiens nous bien avec nous, Bilovni Etienne. Bonsoir, Bilovni Etienne. Bonsoir, Hébert Ducres. Bonsoir à toutes fanatiques ambassade Haïti. Bonsoir à tout le monde qui a suivi nous et qui a accompagné bel travail ça que Kove TV a fait. Déjà, par bon côté, pas moins, félicitez-nous pour gros tout travail ça que nous mettez sous pied. Et spécialement émission ambassade Haïti côté qui a cherché jeune haïtien qui gain talent qui a fait un travail positif pour accompagner partager expérience ensemble avec l'autre jeune. Et comment vous y êtes Aubert, comment semaine vous êtes par rapport à tout bagaille très bien. Micro fermé. Ah, excusez, micro fermé. Bon, et encore, et ça m'a dit, et bienvenue. Merci en pile parce que vous acceptez l'invitation. Hein. Et j'aime toujours dire, aujourd'hui, c'est la deuxième fille qui passait dans l'émission et on a continué avec l'autre fille encore parce que
Nous besoin comme si on t'en court, comme si qui pour bailler jeunesse féminine hein, des conseils, des messages qui est extrêmement important. Encore une fois, Abdou, bienvenue dans l'émission Ambassadeur. Monsieur, c'est un moment nous va le passer là. Il va le moment qui est très agréable et qui est très riche parce que nous gagnons avec nous aujourd'hui. Bill Ovni, Etienne, présentatrice moment, nous va gagner l'opportunité pour nous connaître et perspective li, qui projet les gagner pour Haïti et nous pourrons connaître qui monte et tout parce que les nous besoin comme ça parce que nous sommes haïtiens, nous sommes dans une zone différente. Il parle parler nous de tout ça. Yo. Bon, Bill Ovni, Etienne, et j'en ai toujours peur pour tout et pour tout et invité qui passe dans l'émission comme prélude, comme introduction. Et public l'a besoin qu'on est. Qui m'en ouye, qui koto soti Haïti, et dans qui pays wap vive, et dans qui domaine wap évolue. Bon, je vous ai dit là, moi relé Bill Ovni Etienne, en pile moun, relé moi Bill Ovni. Je vis ici, pays Brésil, dans une ville qui est Boa Vista, région nord Brésil. Okay. Moi, c'est étudiant en agronomie. Et pendant que tu es à Haïti, moi fait la plaine, zone ça. Après ça, moi à l'habiter Nazo. Okay. Moi fait partie études primaires dans collège Salem. Après ça, moi à terminer lycée Marie-Jeanne. Et puis, pour expérience, moi fais plusieurs expériences, moi surtout, moi participer dans un concours de beauté qui fait dans l'église, oui, dans Miss. Et puis, une expérience actuelle, c'est une émission qui a pour objectif principal et parler, porter réflexion sous thème qui est ensemble avec économie, agriculture, environnement, droit monde, liberté d'expression et la prière. Mais bon mission nous gagner pour nous l'ouvriger tout le monde et sous ça qui a passé en Haïti. Et moi-même en tant que jeune fille, c'est un plaisir pour moi-même, pour me c'est un modèle pour me faire partie de staff ça et pour l'autre jeune fille pareil moi yo qui a gagné un regard envers moi-même. C'est tout. C'est comme ça, moi, présentez-moi. Bon, c'est bien ça, Bill Ovni Etienne, nous capables de voir ça. Et bon, c'est un deuxième mission qui passe après Miss Madame Saluel. Et c'est un deuxième mission qui passe. C'est bien ça, c'est bien ça. On va connaître l'expérience, ça. On va connaître l'expérience, ça. Bon, on l'a pour ça, hein, pour expliquer mon qui m'a dit. Exactement, pour partager ce que vous avez. Bon, Bill Ovni Etienne. Bon, ou pas t'être le Bill Ovni, je ne sais pas connaître. Pourquoi ça, ou pas t'être le Bill Ovni, parce que le Bill Ovni, je ne sais pas connaître. Oui, le Bill Ovni, mais majorité, même maman qui bon, non, femme qui bon, non, y'aurait le Bill Ovni. Donc, je suis plus habitué ensemble avec Bill Ovni. En pile, les amis, je suis le Bill Ovni. L'école, moi, tout. Puis, il faut que majorité, je suis le Bill Ovni. Ah bon. Donc, ah bon, je ne sais pas si c'est parce que comme si il y a trois plans qui fait que. Ok, Bill Ovni, c'est bien ça. Mais non, il y a Bill Ovni tout. Non, il y a Bill Ovni tout. Ouais, il y a c'est pas un nom inventé. Il y a Bill Ovni, ça regarde nous. Il y a ce nom Miss Lam. Non, Miss Lam, c'est Bill Ovni. Bon, Bill Ovni, bon. Bon, on va faire agronomie. On a. On s'en dit ça là, on a. Septième semestre, hein, agronomie, dans le pays Brésil, et monsieur certain, c'est une belle expérience, hein, et en tant que jeune fille encore haïtienne, noire, qui, dans le contexte, dans la situation brésilienne, j'ai que, et nous connaissons déjà, nous-mêmes, qu'à vivre Brésil, comme un bagaillon, genre difficile, et chaque fois, comme si nous, gens de monde, ça a fait effort dans le pays Brésil, nous vraiment féliciter. Bon, je ne connais pas Bill Ovni. Question agronomie, son bagage est toujours rêvé pour venir agronome. Bon, agronomie, moi, j'ai commencé à penser ensemble avec elle, dans le ferreto, pour mal dans le filo. Okay. Déjà, pour moi-même, de nature, moi, c'est un monde qui remet produit la caille. Okay. Et moi, remet la nature.
c'est tout plaisir ça pour m'a contempler la nature et puis moi accompagner idée ça tout parce que toute l'aimté dans troisième seconde moi j'étais toujours pensé vignon entrepreneur pour me une entreprise en Haïti qui a produit et qui a vendre produit la local à l'extérieur. Qu'il y a le moi venant reto philo moi dit mais pourquoi pas agronomie. Moi j'ai idée ça moi en que me toujours moi embrasser que me toujours à embrasser et puis moi remet moi son monde de nature qui remet produit production la caille nous. Et puis c'est pour ça idée agronomie et vini et tout c'est parce que lycée en cours côté que que majorité moun ki la dan se garçon c'est une nan raison tout qui fait me choisir pour a gen en pile fille qui a fait agronomie sou entre non sal agronomie ou après majorité c'est garçon qui la dan c'est bien ça parce que j'en dis en vrai c'est pas souvent on fille agronome c'est bien ça bon et ou nan zone ki nan ki zone Brésil nan zone nord Roraima zone nord nan ville Boa Vista. OK. Bon, avant tout bagage n'a dit mon qui en bas live. Là nous partager live parce que nous gain Bilovni Etienne ensemble avec. Non bon, nous pas te connaître ancien miss hein. Ancien miss tout, nous pas connaître ça. Moi pas t'apporter pour non, moi pas même te faire partie finale. Bon, abraço Rodolfo, obrigado por assistir nós Rodolfo. Obrigado grande patrão Rodolfo que tá aqui com a gente, meu patrão, né? Muito obrigado Rodolfo. Por ter assistido o live. Tá bom, mas vamos voltar em câmera online. Tá bom, obrigado, Rodolfo. Bem-vindo. Exatamente, Bilov. Mas, já me disse, tá, no contexto Brasil, quando não conhece o contexto, situação racial que ganha, até com jeune demoiselle, um jeune demoiselle noir, on a université fédérale hein, en Haïti et dans le pays Brésil. Bon, est-ce que vous expliquez nous un peu comment l'intégration est pour même dans l'offre de vin Brésil même après passer pour l'université. Parce que monsieur est certain expliquez nous comment ça t'est. Bon, intégration moi dans le pays Brésil. Moi on a plus accentué que moi c'est un jeune fille, un jeune étrangère noire qui intègre une université qui dans pays étranger. C'est bien. Bon, pour nous connaît que Brésil c'est un pays qui raciste, machiste structurellement et que vraiment xénophobie vraiment élevée. Exactement. Donc pour un jeune haïtien, une jeune fille tant pour moi Li progresser pays Brésil, li vraiment difficile parce que la xénophobie surtout en Haïti, moi c'est un haïtienne côté que vraiment gen un paquet de nouvelles sur Haïti, côté que c'est un pays tout qui pas développé, côté que et peuple nous en toujours dans crise. Donc brésilien yon haïtien qui intègre pays Brésil, yo xénophobie yo vraiment subit. Donc pour moi-même et comme nous connaissons que Brésil tout son pays qui l'a, ça va dépendre tout de chaque monde qui a un genre yo vive situation. Chaque ville qui a un pourcentage élevé de racisme de préjugés ça. Moi même qui dans ville Roraima, oui, gagne et tout et peuple brésilien mais pas bon côté pam, moi pour pas toucher directement. Mais moi j'ai collègue moi qui a parlé de ça, qui a dit comment que yo l'école si moun yo pas vle travail en groupe ensemble avec yo à cause de yo noir, à cause de yo sorti dans yo l'autre pays. Donc c'est vraiment triste pour genre de situation ça yo, mais nous pas retraiter moi même en soi moi poko ça poko toucher me directement pour ma pensée pour avec couleur pomme pour ma réfléchir de telle situation mais il existait et dans ville côté moi. Bon pour question langue non c'est une expérience que moi vraiment t'ai vraiment aimé parce que nous connaît que moi entré ici Brésil à travers de un programme qui est le PEQG, moi quoi qui c'est programme et
des étudiants convenu de graduation. Programme non, donc pour participer ou supposer et passer dans la langue portugaise. Donc expérience langue non, l'était vraiment belle pour moi parce que moi t'ai et apprendre avec l'autre petit monde, l'autre étranger pareil moi qui était dans salle là, qui était venu apprendre langue non, tout qui était fait partie de programme ça. Moi t'ai apprendre en pile, t'ai gain culture différent, donc l'était vraiment intéressant pour moi. C'est bien ça parce que nous besoin comme ça parce que en pile fois vous nous voyez que bon à l'étranger et nous avons des amis, ils pensent que l'intégration, c'est des barrières qui sont faciles. Non. L'université, ils pensent que l'intégration, c'est des barrières qui sont faciles. Surtout, premier défi, c'est avec l'anglais. C'est avec l'anglais. Exactement. Premier défi, c'est avec l'anglais. Et on parle de notre culture. Notre culture, côté, c'est un bagage qui est vraiment facile pour acculturer souvent. Bon, surtout si le peuple n'a pas. Et sympa. Si le peuple n'est pas sympa, encore, ça pi difficile pour nous. Et Otto, tu as un grand ami qui est en bas de la live, Edilson, collègue de travail, meu patron também. Muito obrigado, Edilson, et por aqui com a gente. Bon, na hora de tout le monde qui est en live, on nous partage la live, parce que mon. Plus haïtien, plus jeune, besoin d'entendre expérience. Parce que, il y a une expérience dans un pays étranger. Seulement, non pays étranger, ça veut dire que, grand pile bagaille ou apprendre. Grand pile bagaille ou apprendre. Parce que, difficulté ou obligé vivre ensemble avec eux. Obligé vivre ensemble avec eux. Et, des fois, il y a des bagailles qui viennent, ou pas jamais qu'on ait ça. Non, pays où, mais il y a privé, mais ou obligé vivre ensemble avec eux. Parce que mon corps n'est pas différent pour moi et Bilov. Il n'est pas différent parce que nous tous qui là, parce que nous connaissons comment la situation est déjà dans le pays, Brésil. Encore une fois, nous disons aujourd'hui, nous avons avec nous et Bilov ni Etienne dans l'émission Ambassadeur Haïti qui vient et sur plateforme, nous venons partager. Expérience rien ensemble avec moi. Moi, même qui est en live là, qui a une question, nous capables de poser Bilovni. Bon, l'âge, nous capables de poser, nous capables de poser la question. Merci en pile, Chalo, merci en pile, Rose Medina Milor, qui est en live là, Miss Cover TV 2020, Nap Samuel, Nap Salé, tout le monde qui est en live là, à nous pour une pause, après ça, Nap Tourné, tout à l'heure. Nous retournons encore avec vous, c'est l'émission Ambassadeur Haïti sur web, sur page web TV Convé. Je dis à nous qui avec nous, Bilovni Etienne, étudiant en agronomie, qui vient ici pour partager l'expérience ensemble avec nous. Maintenant, ne pas oublier de partager la vie parce que le message ça veut arriver dans plus d'oreilles jeunes Haïti, pour être capable de connaître Haïti, être capable d'inspirer. Bon, et Bilov, vous m'avez dit ça, Bilov? Oui. Bilov, fanatique, grand pile, surtout pour les m'avez regardé l'émission J'aime Haïti, commentaire, leur parler, leur analyse, c'est des choses vraiment intéressantes, analyse, ils ont touché un pile monde, et ils ont très profond pour mes yeux, moi-même, un pile fois, et vous contendez, vous retendez encore parce que. Et moi-même, mon qui aime faire analyse, et ça, il a dit, depuis l'illogique, et ça, il a dit, ou apprendre avec un pile monde, un pile internet, toujours commenter, ils ont aimé et façon à animer l'émission J'aime Haïti. J'aime Haïti, c'est une belle émission. Ou son, Jean-Brésilien, ils ont baïta à présentatrice. Et bon, et quand même, je vais venir exactement, Bilov. C'est que, en tant qu'un monde qui est analyste, on est capable de ça, permettre de ça, ou son grand analyste, vraiment, et analyser au très profond. En tant qu'une jeune fille haïtienne, qui a étudié à l'étranger, qui est à Haïti, qui est dans plus l'activité, ou est exactement comment, comment la jeunesse haïtienne, et surtout jeunesse féminine, qui s'est passé dans le pays, et en pile bagaille qui,
côté qui est inacceptable. Parce que longtemps, les jeunes garçons qui étaient comme plus mou dans le pays, c'est déjà un bagage qui n'est pas bon, mais qu'on y a des jeunes qui ont souffert plus de violence, qui ont mouru mal, ou même en tant que jeunes haïtiens, et qui sont dans le pays étranger, qui ont fait du cadre, qui ont déjà cadre, qui ont fait du cadre, et en Haïti, bon, peut-être en Haïti, je ne sais pas, et pour le jeu, sans doute, on va parler de ça. Et qui ça, peut-être, je ne sais pas, qui message, qui conseil, ou capable de porter pour jeunesse féminine, qui a souffert dans le moment ça en Haïti? Jeunesse féminine en Haïti. Bon, ça m'a dit, c'est que jeunesse féminine, surtout, il manque oser. Pour qui ça? On peut dire que ça sorti depuis dans genre éducation familiale, genre parents yo levé. Donc quand on a une famille, surtout majorité famille haïtienne, côté que les a pleuré, une petite fille, un petit garçon, côté que yo prend petite fille, yo positionner, yo ba une tâche spécifique. Yo dit ça ou c'est où et c'est typique de faire ça, c'est seulement garçon qui fait qui pas supposé pour ça. Donc, si moun nan vin leve avec yon esprit d'infériorité. Li vin leve, li pa ka kom éclaté. Li gen tan mette nan tête li que ça, li pa ka fèl, ça c'est garçon qui ka fèl. Ki ça? À cause de yon manke exploité et puis pa gen place tout pou yon. Yon pa gen place tout pou yon nan société, la société a vraiment sexiste. Depuis nan famille yon infériorise yon. Donc tout ça yo vinn fè que yo rabaisse yo vinn gen tout et yo manque d'infériorité ça yo vinn fè que y a victime dans tout sens et puis tout nous quand même prend exemple les jeunes filles haïtiennes yo tout surtout les yo rive dans l'autre pays yo manque exploiter yo manque oser ça fait ça c'est yo positionner yo plus traité sous domination. Donc, c'est ça, en gros, que moi, penser de jeunesse féminine en Haïti. Exactement. Bon, vous dites que jeunesse féminine n'a qui osé. Mais qu'elle a même osé. Moi, j'aime à travers de moi, mais moi, j'aime pour mon modèle. Pour toute jeune fille pareil moi yo pour yo pas limiter tête yo pour pas dire ça c'est seulement garçon qui a fait bon et je vous dis tout à l'heure c'est ça c'est un bail qui sorti depuis à la base et bon moi même gain mon bon système qui Haïti parce que il se vrai que société a vie et même pas connait société a vie et même pas connait parce que mon bon sœur en Haïti qui parle fait 18 ans quoi mais bon comme si nous te quitter mais imagine comme si moi penser qu'on a gèlè société a commencé à virer en Haïti parce que accès avec internet tout son bagay qui aider au monde évoluer même là tout son bagay qui ca déranger vous tout ça va dépendre déjà mon nan utiliser exactement mais bon, c'est bien ça. Parce que, je dis, parce que nous avons besoin de temps court, comme si, qui passe dans l'émission souvent, qui peut parler de ça pour jeunesse féminine. Parce que jeunesse féminine, j'ai l'impression, dans un moment ça, et jeunesse féminine a plus à souffrir. Parce que longtemps, nous n'avons pas connu comme si jeunesse féminine a subi gens comme si gens de problèmes, ça y est, il y a pour n'importe qui, gens, et bon, je ne connais pas si relation yo qui. C'est mauvais choix tout mais et ça ca vraiment critique vraiment critique bon et pour réellement et Bilov moi me penser comme si c'est communication d'affaire exactement me penser c'est sociologie philosophie t'as pas peur parce que c'est tellement et analyse bien fondé bon c'est bien ça et lit bien ça comme si parce que qu'on a discipline yo tout connecté
Et tout connecté, ça veut dire que tout côté qui est pour la cour, félicitations, Bilan. C'est une raison qui fait moi qui gagne ça, la présentatrice du moment. Exactement, et c'est ça. Et c'est ça, parce que format prémunio, si on m'a attendu, on m'a attendu de dialogue avec monde de l'école, parce que chaque jour, on a porté monde dehors, monde en France, monde États-Unis, monde Canada, monde Chili, monde Brésil. Bon, il y a une équipe. C'est brésilien, tout. Mais nous voulons porter, nous avons un programme qui est le marathon, marathon de dialogue pour le monde même. Jodia, nous commençons avec conséquences, compétences, qui c'est. Pour mieux dire, depuis l'embosse avec moi, c'est Bilov qui est en tête. Parce que nous sommes avec Bilov. Avec Bilov, tout le monde fait partie de bientôt. Claro, dans la télévision, mais nous vraiment retrouver, non? Non, la radio, parce que la vie avec plaisir surtout, a inquiété nous, tout le monde a passé dans l'émission. Bon, Bilov, on a l'écouté, parce que on a l'écouté dans la troisième partie émission. Avant de nous entrer dans la troisième partie émission, on a demandé au même qui en bas live là, partager live là, pour que et message ça ait arrivé plus loin. Je dis à nous bien avec nous, encore une fois, Bilov, Etienne, et Moun Haïti, et La Plaine, qui sorti la plaine, la petite lycée étudiant en cinquième semestre dans le cours agronomie. Il est venu là pour partager l'expérience avec nous et comment l'intégration nous tenait. Ou même, qui t'a voulu poser, ou bien, bah, félicitations, tu t'a voulu poser et Bilov en question, parce que sans doute, parce que grand pile monde qui a félicité là, capable de ça. Pile mon, et ou même tout qui a curiosité sur Bilov, ou capable poser les questions, nous là, parce que Bilov là, pour lui répondre une question, internaute, nous, c'est pas vrai, Bilov? Exactement. Ah, ok, Bilov. Bon, nous parlons pour la troisième partie de l'émission Bilov, qui c'est. C'est son bagage qui est spécifique pour mieux. C'est pas un débat à faire, c'est pas un débat surtout sur un thème spécifique. Mais pendant là, en tant qu'étudiant agronomie, sans doute, en tant qu'étudiant agronomie, il y a des orientations, tant que moi-même qui a fait chimie, bon, ou capable bon moins, il y a une orientation capable, ben, peu pas ici, parce que, il y a un peu de monde qui a gardé là, ça qui arrive, on va connaître quelque chose parce qu'il y a un États-Unis, en Haïti, qui a gardé, conseille, habite-t-il, en pile pays. Bon, Bilov, et nous capables de dire nous avons une situation qui est vraiment critique en Haïti dans la question de l'agriculture. Et puis nous, hein, bon, et nous, on me songe comme si l'un des petits, on a dit que Haïti, c'est un pays essentiellement agricole. Par contre, c'est toujours là. Par contre, c'est Moza toujours là, mais c'est ça que je dis toujours à étudier, hein? Haïti, c'est un pays essentiellement agricole. Mais aussi Haïti sont pays socialement agricole, c'est vrai, mais et parce que le pays n'a pas voulu rien, c'est domaine. Et n'a pas acheté manger, n'a pas acheté un pile bagaille, c'est domaine. Et presque terre n'a pas produit. Et nous sommes capables de dire nous avons traversé une situation vraiment critique en Haïti. Mais, Bilov, je connais, est-ce que le thème ça a toujours existé pour vous? Question Haïti, c'est un pays socialement agricole. Bon, pour moi-même, nous sommes capables de dire que Haïti pas un pays essentiellement agricole encore. Pour qui ça? Pour un pays essentiellement agricole, faut que ce secteur agricole-là présente pour plus petit 60 ou bien 70% dans l'économie pays. Et puis tout, faut que des structures, parce que agriculture, c'est tout yon vit à l'intérieur de yon pays. Bon, pour année 2017 là, selon IHS, qui c'est Institut Haïtien de Statistique et de Formation, pour année 2017 là, secteur primaire agriculture en Haïti, l'était 30%. Donc là, nous ka dit que Haïti pas un pays et essentiellement agricole. Et tout, nous gagnons une perte de ressources humaines. Qui ça, majorité agriculteurs nous yo émigré vers la capitale ou bien yo émigré en masse dans l'autre pays. Et
et tout mode technologie tout nous gagner ça vient faire que ou ka wè nan plein 21e siècle ou à l'Haïti ou après agriculteur nous c'est avec ti ou ti pi quoi donc yo juste planté pour yo survivre yo juste planté pour yo survivre m'a répété ça encore mais ça vient cause que nous pas produit en pile et nous quand même ouais yo exemple très clair côté que même et produit local nous yo côté au piché que produit qui importé donc c'est tout yon ensemble manque de perte de ressources ça yo qui vient faire que nous ka dit que Haïti pas un pays essentiellement agricole encore. Ou micro fermé. Ouais. Excusez-moi, nous avons une question pour Bilov, qui c'est Alisha, présentatrice et président show qui est pour passer l'émission tout. Son forme conséquente tout même j'avoue. Qui est pour passer l'émission tout. Et nous avons une question là qui dit est-ce que vous allez ou bien mettre les pour? Il pas pour. Après agronomie, si vous t'a gagné l'autre bagaille pour apprendre qui ça les papiers. Après agronomie, j'aimerais te dire nous que c'est une idée que moi depuis gagne une idée depuis notre troisième m'a embrassé c'est pour mieux j'étais pour devenir entrepreneur. Donc après agronomie, moi t'a appris en administration. Parce que moi voulais gagner yon pour jusqu'à présent pour que yon entreprise qui a exporté des produits locaux à et dans l'autre pays pour aller vendre. Quand toujours agronomie, quand toujours. Ya, nan agronomie m'ka toujours fait. Donc si m'ta pa prendre comme Alisha dit, question si m'ta pa prendre l'autre tout c'était administration. C'est bien ça, c'est bien. Ou même qui en bas live là qui besoin qu'on plus de Bilov et qui, bon, m'pa connait curiosité tout avec parce que pile mon avant en pile salutation. Ah, y a vous un pile étoile pour tout. Y a vous un pile étoile pour vous parce que internet yo remet en dos, j'aime dire, internet yo remet en dos. Bon, Bilov, venez nous dans ça, en tant que, bon, qui mange à ici, on puisse remet? Moi, remet banane en pile. banane. Kaba est en pile banane. Moi, remet banane. Moi, remet banane à sauce poisson. Bon, est-ce que quand on y a mangé ça, non? Moi manger, mais ça connaît que nous tellement pratiquer cuisine et brésilienne, non? Moi quand les manques manger là, moi aller dans et marcher, ça veut les feira. Moi acheter et banane, moi acheter et tout ça, moi mes patates. Moi fait manger la caille, moi sans oublier, moi remet légumes tout. Bon, est-ce que maman dit que mon haïtien pas les légumes? Bon, mon haïtien pas aimé les légumes. Parce que les légumes, on a toujours eu la force, parce que c'est bon légumes, vous comprenez? Pour qu'il y ait force. Bon, Bilov, si vous avez un peu de temps pour Haïti, qui s'est allé? Qui s'est allé même exactement? C'est famille. On va qui plus manqué, c'est famille. D'ailleurs, nous connaissons ça déjà. Côté l'enfant ou jeune, on fait séparation ensemble avec famille, commence à vraiment difficile, zanmim tout que moi t'ai bien là parce que moi passé toute adolescence moi là en Haïti. Donc une des bagages qui vraiment manqué c'est famille ensemble avec zanmim. Exactement, mais malheureusement nous obligé sortir pour nous et apprendre leur formation, bien chercher la vie parce que c'est important parce que exactement objectif une objectif émission ambassadeur. Parce que haïtien ou capable de vivre dans le pays, mais ou extériorise. Quand on est ou extériorise, ou vivre, ou faire des choses positives pour faire respecter et respecter la nation haïtienne. Parce que bon, Bilov son monde, qui c'est un jeune demoiselle qui a fait agronomie, mais n'est intéressé par business. Ou même qui est intéressé par business, tout, capable de contacter Bilov pour Bilov capable. Et pour Bilov capable d'accélérer. Avec tout, parce que nous avons fait un bon business. Parce que, bon, nous ne connaissons pas les emplois de mettre ensemble, grand pile bagaille, qui a fait. Ou même, qui a aimé, ou même qui a une émission, parce que grand pile monde qui chili,
qui passe dans l'émission en tout, qui toujours apprendre comme si des monde nous connaît, un monde tant que Beloved, tant qu'un pile monde qui passait dans l'émission, Thierry, un psychologue qui était passé dans l'émission, un pile monde qui commençait à contacter, ou même tout qui t'a aimé, bon, et Beloved partage l'expérience, c'est un show gagné. Beloved, son monde qui est très relax, libre. Et on correct sur ma potée. Sous ça me dit avant c'est que moi t'es tant que l'aime t'a parlé de secteur primaire et en Haïti moi t'ai dit 30% mais c'est 20% c'est 20% lié c'est en 2017 c'est 20% côté produit hein qui était présenté dans l'économie pays. Bon, exactement. Et bon, économie pays de jour en jour c'est on va qui descend, vous comprenez? Et descendre en pile. Et living fait comme si tout bagage c'est une surprise pour nous. Tout bagage c'est une surprise pour nous. Et bon, problème du pays, non capable de dire, problème du pays. Ça qui t'a doué un bagage qui essentiel pour nous, ça qui t'a doué normal pour nous, et lui a fait anormal pour nous. Parce que pas. Elle dit, c'est son. Bon, les gars, je ne sais pas si vous voulez faire un. Bon, nous avons une question là qui c'est Alisha. Toujours. Mais il y a Peterson Mackinson qui pose une question là, nous allons apprendre tout à l'heure. Bilof, vous avez question à Alisha. Qui ça, vous pensez d'une jeune fille qui parlait étudier dans le pays Brésil? Est-ce que, question m'a posé à Alisha, est-ce que une jeune fille parlait étudier dans le pays Brésil même, libre à l'étudier dans l'autre pays, ou bien c'est étudier, jeune fille parlait étudier même? Bon, maintenant, ça, si vous comprenez, non, qui ça, une jeune fille, ça veut dire une jeune fille qui parlait étudier mais qui préférait travailler? Ok. Donc, ma réponse dans ce sens-là. Premièrement, chaque monde a des choix. Moi, pas opiner sur choix n'importe monde. Aucun monde pas opiner sur choix. Mais moi-même, ça conseil que t'as porté pour une jeune fille, c'est premièrement étude, parce que moi vraiment quoi dans éducation. C'est étude là d'abord, parce que surtout nous-mêmes jeunes filles noires, étrangères, haïtiennes. Ou étudier ou pas qu'à jouer un bon travail? Ou étudier ou pas qu'à jouer un bon travail? Imaginons pas étudier. Donc, moi conseille une jeune fille étudier. Donc, là, vraiment important pour lui, dans la vie professionnelle, tout au long. Et puis, tout, c'est des résidences, j'en lié à, c'est étudier, quoi dans tête, tout, craser bête. Exactement. Bon, en nous prenons la deuxième question, qui c'est, Bilor, vous déclare. C'est dans les footsteps, les questions. Ta, bon. Et des choses. Bon, moi. Ok. Bilof, vous déclarez et vous confirmez qu'Haïti, c'est un pays agricole. Mais en tant qu'un fiti agronome, imaginons que tu as invité pour une sensibilisation dans le secteur agricole, dans le pays. Qui trois plans d'action pour t'as conseillé pour un bon débit, pour développement? Secteur. Merci Peter Martinson Civil pour question ça. Bon, premièrement, moi t'ai conseillé pour y mettre un centre de recherche. Parce que Brésil gagne Embrapa qui c'est un centre de recherche qui vraiment sur l'échelle internationale qui vraiment connu, ça vient faire Brésil gagne un niveau très élevé. Non, production. C'est un centre de recherche. Et puis tout, nous t'avons conseillé tout pour l'État bailler plus valeur ensemble avec le secteur, ça, parce que l'agriculture, c'est la vie. Et troisième, ça, tout, nous t'avons conseillé, c'est Jean Mounio a planté. Et pour ne pas planter n'importe comment, parce que c'est vrai, nous riches, pays, nous, en son pays qui t'aille vraiment, yo nan mol. Mais il y a un pile et mesure pour prendre l'eau à planter. Vous supposez qu'on type terre, sol à planter. Vous supposez qu'on ait un petit insecte nuisible qui a empêché plante à développer. Donc, tout y a ensemble de mesures pour ta gagner, pour ta prendre. C'est trois mesures, ça y a, moi, t'as choisi pour secteur agricole là, t'as développé dans le pays d'Haïti. Et bon, et pour bien jouer, c'est agricole là vraiment et grand pile problème en Haïti. Et
Et vous me dites plus, ma petite carte. Bon, comment vous Ma petite carte, c'est valoriser la production locale. Exactement. Ça, important. En pile. Important, en pile. En pile, en pile, en pile. Au cas pas pour le Brésil, au cas pas pour le Brésil, lâche un bagage dehors, ou parce que pour le vini, ou parce qu'il peut même 70% de cobla. Est-ce que vous comprenez? Brésil. Parce que ils ont encouragé, même les barrières chez Brésil, mais ils ont encouragé en façon pour que la production locale ait une valeur. Parce que si l'État n'a pas encouragé la production locale, là, et je suis certain que aucun ça nous fait pas jambes gain valeur. Et mesdames et messieurs, nous connaissons déjà, je dis, et nous avons une émission Ambassade Haïti. Émission Ambassade Haïti, je dis, nous avons avec nous Bill Ovni Etienne, étudiant en agronomie dans le pays Brésil, qui vient ici dans la plateforme Télécové, venir et partager l'expérience. Et pour bien dire, nous sommes une animatrice, et elle est animatrice du moment. Et c'est ça, c'est vrai, ou même qui peut assister. J'aime Haïti. Sous page web de Télécové, moi invite à assister parce que demoiselle ça li gagne analyse li au bon ou après trouve et ou pas prendre et j'aime Haïti passer chaque vendredi en cas de mes si tu veux à bien émission chaque vendredi 9h soir dans pays Brésil et 6h et non 9h soir dans pays Brésil et 7h dans soir dans pays d'Haïti à bien invite assister j'aime Haïti pour capable connaître plus de moun sa yo. Et n'a pas salué Mickelson qui en bas live là, n'a pas salué et tout Waldi qui en bas live là, n'a pas salué tout staff Télécové qui est là avec nous et tout staff étudiant qui a supporté radio et télévision d'une manière ou d'une autre. Avant, nous et continuons avec ces séances de questions, n'a pas pose, Bilov, n'a pas tenu à l'air, bon petit blot. Parce qu'il y a grand pile de bagaille pour nous discuter encore. C'est bon? D'accord. Nous retournons avec Bilov, Etienne, sur la plateforme télévision Cove TV, animatrice du moment, présentatrice du moment. Hein? C'est ça, hein? Présentatrice du moment. Présentatrice du moment. Bon, Bilov, une bonne question pour vous, là, et bon, en tant que peut-être vous répondez une partie et la question ça me va poser là, mais vous capable plus approfondir là dans ce sujet. Et qui ça vous pensez qui pique un problème secteur agriculture Haïti, pays d'Haïti? Bon, j'aime te dire là, c'est premièrement c'est manque d'encadrement de l'État envers acteurs, envers agriculteurs. Et puis tout, nous pas utiliser technologie. En plein 21e siècle, j'aimerais me répéter encore côté que avec le terme aussi avec Tiroupi quoi seulement, y a planté. Et puis nous pas gagné un centre de recherche. C'est plus gros problème ça yo qui fait que et fait que secteur agricole là en Haïti. Et puis tout nous pas valoriser produit la caille. Okay, ça vient faire que produit importé ça qui vient faire que produit terre nous yo vient décourager parce que nous plus valoriser produit importé. Exactement. Exactement. Bon, c'est un point qui est extrêmement important, j'en ai dit tout à l'heure. Et bon, parce que là on regarde tout pays qui a développé, production yo, c'est eux même qui base développement yo. Oui. Nous gagne Brésil comme exemple à vous. Exactement, parce que Brésil presque importé manger viande Israël et la Chine. Brésil fait un grand passé et grand et partenariat, partnership, on va dire partnership tout. C'est partenariat. Partnership avec un pile d'autres pays et mais nous-mêmes nous sommes capables de faire tout parce que surtout zone côté me soutient Haïti. Zone côté me soutient Haïti. Et cabaret son côté bambil banane cabaret et akaye zone nan côté bambil banane ils ont de ca exploiter ça kana et comme tout son bail en pile production mais j'en sais dit tout à l'état pas investi vraiment et non dans secteur ça nous capable au Brésil nous gain pile grand ça les fazendeiro ici
Ça veut dire grand fazende. Et comment on te carré? Grand planté, petit planté. Exactement. Grand planté, vraiment. Et Brésil, que l'État encourage au même fait ça. L'État encourage au même fait ça. Mais Haïti, nous pas une culture ça, culture grand planté ça. Vous comprenez? Eh bien, si nous pas une culture grand planté ça, même si le monde qui a un corps, qui a investi vraiment dans l'agronomie, parce que. Sont 20 heures. Parce que. Et moun nan vraiment li te ka gen connaissance nan gen technique mais pa gen kòb. Li pa gen kòb, mais si l'état a investi nan li ba l'équipement et équipement pour que li capable fonctionner monsieur certain, on t'a gon l'autre pays et pays avoir gen problème nou gen nan moment ça parce que nou gen un pile problème manger nan pays a. Duri local piché que diri et duri importé. Ça veut dire que je voulais dire que position locale, nous mettons, fermer tout le jardin, nous mettons, acheter à l'étranger qui c'est bon bagage, qui avantage, ni pour le pays, ni pour le monde qui vit en d'un pays. Bon, Bilov, nous sommes dans 52 minutes là, parce que nous avons parlé en pile causé. Bon, Bilov, bon, nous parlons de l'un des plus importants et qui est, monsieur, certains. Question qui est plus important et qui ça que mon yota besoin tambien est-ce que tu as parlé de quel projet ou bien peut-être pour Haïti ou bien peut-être pour Brésil que tu as vécu là sur l'été? Bon, nous jeunes toujours gagnent pile idée dans le futur qu'on partage avec nous. Que moi projet mon gagne pour Kounia même pour Haïti. C'est ça que je te dis déjà. Moi, continuer à embrasser ce projet. Ça ne va pas être un devant, ma passer par l'autre. Mais jusqu'à présent, pour qu'on y a moins de gens, une entreprise qui a prend produit local, qui a beau et vendre à l'extérieur. Par exemple, nous avons un exemple Crémas haïtien. Nous avons un exemple Crémas haïtien. Nous avons une entreprise côté qui a fait Crémas. Et puis, quand vous êtes dans l'autre pays, que ce qui fait à base de cocoyer, que nous connaissons déjà, comment ça va? Il y a un pile et le à l'étranger qui t'a voulu goûter, produire ça. Quand il y a l'autre pays qui fait le genre, qui pas porter nos crémasses, et chaque pays qui cuisine par eux, certes. Chaque pays qui cuisine par eux, mais c'est crémasses haïtiennes, même gens qui ont fait en Haïti, même qui t'a fait dans l'autre pays, quand vous êtes dans l'autre pays. Et puis l'autre projet moi gagne tout c'est mettre un centre de recherche pour et agriculture pour. C'est vraiment important. C'est vraiment important parce que on peut pas avancer sans pas connait qui problème la résoudre. Parce que centre de recherche c'est ça là problème yo il là pour résoudre. Yo payer monde, gagne monde qui gagne bourse pour capable faire recherche pour capable résoudre problème parce que la science parce que un chercheur c'est des scientifiques qui là pour chercher résoudre problème moun gagnen la nature gagnen et ça manque en pile en Haïti. Est-ce que nous avons bon centre de recherche en Haïti? Pourquoi nous gagnen? Bah ouais nous gagnen. Bon pas connait c'est pas normal là pas connait si gagnen mais pays a c'est de plus en plus dégradé. Bon imagine peut-être n'était qu'a dit dans tant longtemps c'était qu'a gagnen même pour qu'on y a. Mais imaginons un pays comme ça réellement. Et bon, c'est une très bonne idée. C'est triste, vraiment triste. C'est triste parce que si on ne peut pas résoudre le problème, on ne peut pas résoudre le problème. Si on ne peut pas résoudre le problème, on ne peut pas résoudre le problème. Il n'y a pas de monde qui a des compétences, qui dispose, que l'État même dispose de payer pour faire des recherches, pour connaître exactement qui est la base du problème, il ne peut pas résoudre. Imaginons l'éducation en Haïti. Mais ce n'est pas bon centre de recherche qui améliorerait nous gagner dans l'éducation Haïti. Hein? Son bagage qui est extrêmement difficile. Son point est bon, son bagage qui est intéressant, sur ce dire là, il est vraiment intéressant. Nous avons besoin de ça. Et centre de recherche là, monsieur certain, il n'y a pas besoin seulement d'un agronome, d'un cours, un futur agronome. N'est pas monde qui a participé. Parce que nous avons ingénieurs, nous avons agronomes, nous avons docteurs, nous avons administrateurs, nous avons économistes,
en pile l'autre monde yo, en pile l'autre monde yo, parce que émission ambassadeur même c'est son émission intégration. Est-ce que vous comprenez? C'est une émission intégration. Aux États-Unis, on est capable de collaborer avec un professionnel des États-Unis, on est capable de collaborer avec un professionnel du Brésil. Est-ce que vous comprenez? Ou c'est un professionnel qui est Chili, on est capable de collaborer avec nous qui est Canada. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, l'ambassadeur a tenté de faire. Besoin à faire même. Faire un point d'intégration entre. Parce que si nous ne connaissons comme si qui cap nous gagne, qui formation, yo, nous ne connaissons pas à qui nous pour nous collaborer. Est-ce que vous comprenez? Nous ne pouvons pas nous collaborer. Je veux dire, nous avons un pour nous collaborer qui c'est Bill of Etienne. Qui c'est Bill of Etienne qui c'est mon fils diagonome. Mon fils diagonome. Mais il y a un féministe, il y a un féministe qui peut vous garder et vous-même qui perdez comme féministe, vous perdez un peu de bagage parce que livre les féministes, livre les mettre au centre de recherche en Haïti. Jean-Baptiste qui est dans l'émission, hein? Jean-Baptiste Joseph qui est fondateur de l'émission, hein? Et qui est docteur en génie civil, qui est formé en génie civil, mais nous avons un doctorat et il fait spécialité dans la question de programmation, tout ça. Et bon, on est capable de participer, on a besoin, et j'en ai mon temps, on est capable de participer dans ce centre de recherche que Bill-Homme Etienne besoin de mettre en Haïti. Ou même, qui m'a connu, qui t'a aimé collaborer, à quel que soit le monde qui passe dans l'émission, Ambassade d'Haïti, télévision Corvée, émission Ambassade d'Haïti, son point lié. On est entré en contact ensemble avec nous, avec respect, n'a metto en collaboration avec Mounsa parce que Jean nous dit non et Jean-Baptiste dit dans réclame Haïti gagne trop boule pour la souffre. Après tout pays cap avancer qui fait c'est même nation qui mettait tête ensemble pour yo font bagaille pour pays à avancer parce que nous dans marathon et dialogue dans émission ambassade d'Haïti dans une télévision qu'on veut, n'a pas une chance pour nous faire connaissance avec un pile monde dans staff télévision qu'on veut. Fabien Josiane est avec nous, Bill-Homme Etienne, qui emballage, qui est une présentatrice du moment. Il est une présentatrice du moment dans J'aime à Haïti. Bon, Bill-Homme, ou même en tant que un jeune haïtien, un futur agronome, si tu as une place, par exemple, une place privilégiée en Haïti, un ministre agriculture, qui exactement, qui sont à faire pour que vous capable de résoudre le problème Haïti? Bon, on a fait la question. Vous pouvez répéter pour moi une question, s'il vous plaît. Comme un futur agronome en Haïti. Un futur agronome, moi haïtien, vous savez, et on t'a arrivé en place privilégiée en Haïti, par exemple, ministre de l'agriculture. Bagaille comme ça. Pour prendre une place dans le gouvernement pour t'aider l'agriculture haïtienne. Mais exactement, qui exactement et plan d'action même ou mettre en marche pour être si capable de résoudre le problème là, pour capable de faire toute terre qui n'a pas donné. Donner en Haïti. Nicolas Femme. Je vais répéter encore. Si je suis ministre de l'agriculture en Haïti, le premier, ça m'a fait, c'est mettre le centre de recherche. Pour le secteur agricole, là, qui a plus développé. Deuxième, ça m'a fait, c'est formation ensemble avec agriculteurs nous. Grand planté, si planté, surtout, côté que, yo, par contre, comment, y a planté, yo planté n'importe comment. Et troisième, ça m'a fait, c'est investir plus dans secteur ça. Maintenant, investir pour secteur, pour valoriser secteur ça, parce que agriculture au pays, c'est toute vie, y'en a. Si. Et toujours dit, la terre, c'est la richesse. Oui. La terre, c'est la richesse, c'est pas non plus la terre, c'est la richesse, parce que c'est théâtre, bah, nous manger, c'est théâtre, nourrir, c'est théâtre, nourrir, bon, et Bill-Homme, nous presque arrivés dans la partie, dans la dernière partie de l'émission, hein. Bon, Bill-Homme, vous êtes là ensemble avec nous,
Bon, grand peu de monde, sans doute, qui n'a pas gagné tant qu'assister à l'émission, qui n'a pas assisté à l'émission, qui message capable de porter, by, monde qui n'a pas assisté à l'émission, et pour monde qui n'a pas assisté à l'émission. Bon, pour tout le monde qui a assisté à l'émission Ambassade Haïti, moi je dis Ambassade Haïti parce que c'est une émission qui a fait un gros travail, côté qui a pris des jeunes haïtiens qui a fait un travail positif pour venir partager ensemble avec l'autre. Je souhaite que les gens regardent l'émission pour nous pas garder, pour garder, pour nous prendre tout ça qui est bon. Parce que travail positif, quel que soit bon qu'a fait un travail positif, li gen des hauts, li gen des bas. Donc ou même qui accompagne travail ça, prend tout ça qui bon et puis tout surtout télévision, Covet TV qui c'est un gros travail ou même qui est en mesure pour supporter télé ça qu'a fait un travail positif et qui prend réseaux sociaux qui utilise de l'autre façon ou qu'a aider et beaucoup de travail ça qui a fait. Exactement, parce que avantage télévision et Covet TV, hein, ou pas besoin et dans même côté avec nous pour participer pour une émission. Ou son preuve. Aujourd'hui c'est non l'autre zone, nous même bon, pour ta ville dans zone nous, hein, et bus ou cap on deux jours. On a les bus, avion, c'est n'importe 7 dans 40 pour m'aller côté dans ville dans Brésil pour m'aller. C'est environ 6 dans avion. Parce que Brésil c'est un pays qui est vraiment grand. Imaginez, vous n'avez pas besoin, vous devez mettre Chili, vous devez mettre États-Unis, vous devez mettre la Chine, vous devez mettre Macron et Guadeloupe, Guyane, quel que soit côté, en France, quel que soit côté, vous êtes capable de participer, vous êtes capable de gagner une émission dans la télévision Covet TV. Bon, aujourd'hui, c'est nous gagnons avec nous, Bilovi, Etienne, nous sommes petits étudiants, et nous sommes petits professionnels en agronomie, qui est là, qui vient partager l'expérience vie ensemble avec nous, et nous-mêmes nous capables d'apprendre de l'expérience, parce que c'est une jeune demoiselle qui vraiment grandit le potentiel, et monde qui connaît, monde qui assiste à Haïti, nous connaît exactement qui ça, jeune demoiselle ça, représenté sous réseau social. Ou même qui est là, qui veut supporter l'émission 1, hein, là, on est entré dans Web Covet TV, Haïti, chaque vendredi à 9h dans le pays Brésil. Bon, nous passons, nous allons faire une émission. Bilovni Etienne, un dernier mot pour tout internet. Dernier mot, c'est un remerciement avec ou même Obed qui embrasse l'initiative ça, qui invite tout dans l'émission Ambassade Haïti. Et ma et féliciter tout Jean-Baptiste Joseph tout qui lance belle émission ça et tout un remerciement très spécial ensemble avec Staff Jem Haïti qui fait part de moi-même qui bonne opportunité pour me développer talent qui cachait la caille moi. Donc c'est tout ça que vous me dire et un remerciement pour tout ou même qui en bas live là qui t'a commenté qui t'a bail opinion, c'est un plaisir pour moi de partager quelques dans expérience quelques dans ça me connaît ensemble avec vous. Bon, Bilovni, ma connaît présentatrice moment. En pile. Et bon, ambassade Haïti remercie en pile parce que tu as accepté l'invitation parce que nous connaît. Et comment situation difficile vraiment tant qu'on y a toute bagaille sur online et comment c'est bon sans doute gain en pile matière à faire online monsieur certain c'est vraiment pour te séparer tant ça c'est parce que vraiment on bat nous importance dans l'émission ambassadeur donc merci en pile parce que tu partager expérience avec chaque internaute chaque monde qui t'est passé en live là et moun qui pourra regarder en bas la plan et n'a pas de félicitations continuer n'a pas de succès dans ce que vous faites avec raison à nous pas décourager parce que ensemble nous fort intégration fort nous gagner parce que chaque haïtien
nous besoin unis nous professionnels monde qui gagne connaissance monde tout qui gagne bon qui connaissance en plus que tout nous tout nous besoin monde nous besoin une besoin d'autre pour nous fonctionner. Merci en pile Bilov. On va connaître n'importe là où tu voulez passer dans l'émission hein? Émission c'est pour vous. Émission c'est pour vous. Encore une fois Annick, avisez-nous, plateforme, c'est pour. Merci en pile, passons bonne nuit, et be love me, Etienne. Merci en pile. Mesdames et messieurs, et c'était avec nous, be love, Etienne, et dit présentatrice moment, qui était avec nous dans l'émission Ambassade Haïti, qui t'a partagé l'expérience ensemble avec nous. Eh bien, je vous remercie vous-même qui t'a participé en bas live ensemble avec nous. Rendez-vous par l'autre, c'est jeudi qu'on vient. N'attendons parce que nous avons une plus belle autre émission pour vous. Côté vous-même, ou capable, inspiré de tout invité qui passait en bas là. Merci. Ciao. Et un bon fin de semaine pour vous-même. Ciao. Ambassade Haïti, une émission qui connecte Haïtiens positifs avec tout Haïtien à la ronde badé. Ou même qui dans la diaspora qui a fait un bon travail, qui a inspiré l'autre haïtien, eh bien, continuez, parce qu'ambassade Haïti a privé sous. Pas oublier, ou même qui est entrepreneur, professeur, athlète, étudiant, boursier, nous voulons connaître l'histoire parce que l'expérience qui a inspiré l'autre haïtien. En mettant main, on a cherché les ressources que Haïti a gagné dehors et qui a fait valer Haïti dans l'international. Ambassade Haïti passe chaque jeudi soir, 6 p.m. dans l'air Haïti. Live sur Facebook, sur Convé TV, c'est une télévision digitale qui vient faire un lot de bagaille. En avant Haïti, Haïti gagne 3 mounes pour la souffrir. Eh bien, on a la prendre de vous. C'est une façon pour nous aider la caille, tout autant nous pourquoi qu'à tourner la caille. La caille, c'est la caille, c'est là n'a pas tourner. Ambassade Haïti, c'est une émission pour toute une nation.